Non, tu pars, tu rigoles dans 3 mois, t'imagines. Même pas. Parce que j'ai pas l'air de baisser, c'est assez important. Comme seulement que j'arrive à les attacher, hein, quand même. Pour Avignon. Oh, Marie, je te permets pas, oui. On est en train de travailler. Bonsoir. Un petit commentaire. De la part de la buvette, on vous souhaite une très bonne soirée. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Tout est dit. J'ai trouvé un travail dans un bar. Monsieur le chômage. Bon voilà, mais bon, ce qui est bien, c'est qu'au bar, ben, au moins, on peut prendre un coup. Bonsoir. C'est vrai qu'il ne doit pas avoir le temps de se mettre dans la peau du personnage. Exactement. Et encore, ce soir, il était gâté. Bonsoir. Bah, c'est logique au moins. Remarquez, parfois, il a moins de chance. Il doit se contenter d'un... Ah. Ou d'un... Je. Quel métier? Il aurait pu au moins faire première réplique. Ah ben vous savez, on ne choisit pas toujours. Et l'essentiel à notre époque et dans notre profession, c'est de travailler. Oui, je suis peu habitué à la brillance des projecteurs. Je suis plutôt un homme de l'ombre, selon l'expression consacrée. Je me présente. Jean l'auteur. L'auteur en un seul mot, n'est-ce pas? Profession, auteur dramatique. Curieuse coïncidence, un nom tombé du ciel. Pascal, le juge, le critique. Moi aussi. Quel nom prédestiné pour un critique, n'est-ce pas? Et figurez-vous que ce n'est pas un pseudonyme. D'ailleurs, la première fois que j'ai été engagé dans un journal, le rédacteur en chef m'a dit « Mon petit vieux, soit vous changez votre nom, soit vous regardez. Mais alors il faudra l'assumer et vous montrer particulièrement féroce. » J'ai choisi la deuxième solution. Vous êtes bien Jean l'auteur. Or, j'ai eu le plaisir de vous recevoir dans mon bureau. Oui, il y a 2 ans, à ma ancienne tentative. J'avais eu la chance, l'ordinateur n'était pas encore éteint et les turbodages provisoirement démontés. J'ai longtemps réussi depuis, mais sans succès. Il ne faut surtout pas vous décourager, d'autant plus que j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Tout arrive. Je vous félicite, vos derniers dossiers ont été déposés à temps. Ah. Vos sous-dossiers également. Ah. Les 17 exemplaires de la deuxième sous-section, l'annexe 1, ont été produites dans les plus parfaites conditions. Ah. Et remarquable, vous avez même évité le piège classique de la page 19. Troisième alinéa, section finance locale, extra-communale, quasi-régionale, taxe ajoutée à sa valeur, amenée à 5,5% du quotient de base brut, après abattement de 11,3% sur les 16% de départ du projet de budget de publicité annexe, lié à la création de votre pièce dans 5 départements minimum, dont 3 limitrophes et 1 en moins excentré par rapport à la répartition géographique des 3 comédiens pressentis pour jouer les 3 premiers rôles. Atteint des sommets. Bref, vous avez tout. Autorisation, contre-autorisation, engagement sur l'honneur, désengagement à l'engagement, relevé d'identité bancaire, postale, municipale, locale, interplanétaire, intersidérale, numéro d'identification divers, d'été, variés, redondant et abscons, droit exister, certificat d'admission. Pour le dossier, je dis chapeau. Si on a le chapeau, tout n'est pas perdu. Ne vous laissez pas aller à des plaisanteries faciles, cher ami. Le ministère n'apprécie que modérément. Je vous le dis tout de suite. Voilà un dossier carré. Tourneau, le dernier sorti est dans la salle. Nul, trivial, grotesque. Merci et bonjour chez vous. Banal et sans intérêt. Circuler, il n'y a rien à voir. Grossier. En forgeant qu'on devient forgeron.
Mais il n'y a plus aucun rapport, là. Justement, c'est ça qui est bien. Les spectateurs pourront un peu se creuser la tête. Mais non, non, il faut un mot de la fin, simple et direct. Simple et direct. Simple et direct. J'ai trouvé. Vous autres, venez donc par ici. Amis spectateurs, cette soirée, avec ses défauts et ses qualités, ses moments de doute et de certitude, ses musiques, ses phares, ses projecteurs, ses costumes et ses accessoires, nous l'avons imaginé pour toi. Pour le toit ? Non, pour toi !